Culture House, Centre Bagatelle. Emmanuel Bourdin, j'habite Berlin depuis 22 ans et je me suis engagé il y a 2 ans au sein du bureau du Centre Bagatelle où je m'occupe de la culture et de la communication. Et j'ai été élu président de l'association l'été dernier. Je m'appelle Christiane Koser-Spohn, je suis arrivée au Centre Bagatelle il y a 4 ans. J'enseigne le français en tant que langue étrangère pour les Allemands et des cours de littérature française et des cours de civilisation française. Notre association a été créée il y a 18 ans pour sauver en fait ce lieu culturel. Notre association a pris la suite des forces françaises qui s'étaient installées dans cette villa après la guerre. On donne des cours de langue, des cours de français notamment, des cours d'espagnol, d'italien, d'anglais, de danois, de chinois. Il y a aussi des cours de bien-être, comme le yoga, le pilates, le qigong. Alors le cœur de notre offre est une saison culturelle très riche. La part principale est constituée par des concerts. Nous sommes un salon de musique qui se prête parfaitement à la musique de chambre, au jazz, les musiques du monde, évidemment la chanson française, mais aussi le cabaret musical, de la folk, voire de la pop. Mais il y a aussi des discussions, des conférences, des expositions. Le centre vit de ses adhérents. Nous n'avons ni subvention publique ni privée. Le Centre Bagatelle est un lieu hautement démocratique. Tout le monde peut s'engager, tout le monde peut y apporter ses idées. C'est une villa qui se situe donc au nord de Berlin, qui est absolument charmante et accueillante. On s'y sent bien d'emblée. Donc évidemment, nous avons un site internet, hein, centre-bagatelle.de. Mais vous pourrez retrouver très vite, j'espère dans les mois prochains, notre dépliant qui sera disponible dans tous ces culture displays qui sont dans la ville, un peu partout, dans les musées, les restaurants, les cinémas. À bientôt, Afronao.